barque, une bibliothèque, un buste. Ce parc était son jardin, cette bibliothèque était sa maison. Ce buste, c'est le souvenir de sa ville. Ce collège était le sien, il ne porte pas son nom. Il repose dans ce cimetière sous une dalle qui, elle non plus, ne porte pas son nom, le nom de Henri Pascal de Rochegude. Ah, Marianne, tu es sourde? Quoi qu'il y a encore? Il y a que tu vas aller chez Maître Castagnier, mon notaire, et le prier de venir, dès que possible. Ça peut pas attendre? Non, ça ne peut pas attendre. Vas-y maintenant. Et combien avez-vous d'ouvrages dans cette magnifique bibliothèque que vous livrez à la ville d'Albi? Environ 20 000 avec cet étage. Je les ai réunis depuis mon retour à Albi, en 1787. Et d'où veniez-vous? De Saint-Domingue, mon dernier poste. Regardez. Et vous étiez? Capitaine de vaisseau, à 46 ans. Vous ne commandiez pas en chef? Oh, hélas, non, cher ami. Je ne commandais que ma corvette, la Fauvette. Un oiseau qui resta trois longues années oublié du roi et du royaume. Pourtant, votre ami, notre illustre concitoyen, La Pérouse. Oh, La Pérouse m'a toujours devancé, en tout. D'abord en âge, il naquit en août 1741 et moi seulement en décembre. En carrière ensuite, la marine le prit en 1756 et moi seulement en 59. Pourtant vous étiez condisciple au collège des jésuites. Oui, oui, nous étions condisciples et au sortir du collège, nous faisions des projets.
Je t'envie, François, de quitter ces deux. Dans un mois, je serai à l'école de marine. Si tu savais comme il me tarde. Ce n'est pas ta chance. Pourtant, nos demandes ont été faites ensemble. Tu as aussi d'autres recommandations. Prends patience, Henri Pascal. Ton tour viendra. Regarde. Ces océans sont assez vastes pour nous deux. Aie confiance. Nous sommes promis au même destin, je le sens. Tu as raison. Il est sur les mers. Nous les courons ensemble. Et où allez-vous donc courir ensemble? Sur les mers, mon père. Les mers! Les mers! Les avons couru, les mers. Et à 40 ans, François avait presque son bâton de maréchal. Alors que moi, il y a là quelque chose qui m'échappe. Ne cherchez pas, ami. La vérité, c'est qu'un vrai marin devait être aussi à l'aise dans les antichambres de la cour qu'entre les écueils de la côte. Et moi, je n'étais marin que sur la mer. Seriez-vous amer ou envieux, monsieur l'amiral? Car vous êtes contre-amiral aujourd'hui. Une belle réussite. Envieux? Mais dites-moi, quel marin albigeois n'envierait-il le sort glorieux de François Gallo, mort en mer pour son pays? Amer? Je suis contre-amiral, vous l'avez dit. Je vais avoir 86 ans. Et j'ai survécu à tous les orages. Et ceux des océans n'étaient pas les plus périlleux. Que voulez-vous dire? Je ne vous saisis pas. Les hommes sont souvent plus impitoyables que les éléments, vous le savez bien. Et leurs orages ne se nomment pas tempête, cyclone, ouragan. Ils se nomment révolte, révolution. La révolution. La grande révolution. Au fait, amiral, il paraît que vous êtes entré en révolution comme en entrant les ordres. C'est un peu vrai, mais pas par illumination subite, idéale, utopique, non. Disons, par libéralisme humaniste. Et quand avez-vous libéré votre humanisme, amiral? Il venait de Noël, mais publiquement, à la réunion pour les états généraux, le 11 février 1789, exactement. Monsieur le Capitaine, on vient de terminer, et monsieur de Rochefort a déjà la parole. Il s'agit du bien général, n'y pas concourir de toute sa puissance, c'est trahir ses premiers devoirs. Le silence devient un crime, la tiédeur, une lâcheté. C'est un fait trop connu. Que les deux premiers ordres, souvent étrangers au Languedoc, votent des impôts que nous supportons et que le tiers-état est à peine consulté. Parfaitement, il a raison. Oh ! Il est temps de sortir du sommeil léthargique où nous étions ensevelis. Il est temps de briser des chaînes qui ne sont pas faites pour nous. Il est temps enfin de renverser ce colosse monstrueux qui nous foule avec orgueil et dont la force n'est faite que de notre faiblesse. Bravo! Très bien! Ça, c'est envoyé! Vous avez entendu? Il parle pas mal pour un noble. Tu le connais? Un peu. C'est un ancien marin qui a laissé ses bateaux pour des livres.
c'est un savant. Il paraît qu'il sait le latin. Parce que tu crois qu'on a besoin d'un savant? Tu crois que c'est le latin qui va nous aider? Mais, quelque part, on a besoin de tout le monde. Nous allons passer les fusarius, et puis le latin avec les curés, ça peut servir. Grand doute. Un chien n'a jamais fait un chat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un marquis reste un marquis. Et pour aider le peuple, il n'y a que le peuple. Voilà ce que je dis, moi. Et moi, ce que je dis, c'est que vous, les femmes, vous feriez mieux de rester à la maison avec la marmaille, au lieu de vous mêler des affaires de la nation. C'est trop important pour vous. Ça vrai, vous autres. Ça vrai, vous. Les affaires de la nation, c'est bien trop important pour qu'on vous les laisse à vous tout seul. Tiens, salut, les hommes. C'est parti. Si on les laissait faire, elles siégeraient à notre place. Exactement. Et pourquoi pas voter tant qu'elles y sont? Pourquoi pas débuter à Paris? À quel scop? C'est rien propre. Ainsi, en 1789, vous fûtes élu à l'Assemblée nationale à Paris. Non. Plus tard, ce ne fut qu'en 1790 que je représentais la région en remplacement du marquis de Badens qui avait cru bon de démissionner. Ce que vous désapprouviez totalement. Ah, totalement, totalement. Une démission est une désertion. Pourtant, vous-même, n'avez-vous pas abandonné la première charge de la mairie d'Albi en 1791? Mais jamais! J'ai refusé cet insigne honneur, car je savais que le service de la nation, en cette époque critique, devait l'emporter sur le service de ma chère ville. Mais refus n'est pas démission! Amiral, vous êtes vraiment un vivant paradoxe. Allons bon. Mais enfin, vous, noble, vous rendez la croix de Saint-Louis, vous repoussez vos quartiers de noblesse, vous épousez les thèses du tiers-état. Vous qui avez sillonné les océans, dès l'Occident à l'Orient, des mers australes aux Antilles, vous abandonnez les grands navires, les grands espaces, pour des salles vociférantes et enfumées où devaient se débattre les problèmes qui devaient vous apparaître bien étrangers et dérisoires. Étrangers, dérisoires? La liberté et l'indépendance des hommes? Mais je me sentais grandement concerné. Sachez que c'est en 1778, à la guerre d'indépendance américaine, que je pris conscience de ce que Montesquieu appelait l'esprit des lois. Des lois faites par et pour les puissants. Pour accabler les hommes ignorants et faibles, comme nos vaisseaux de ligne de 100 canons écrasaient les navires moins armés. Et il y a une autre analogie entre la mer et les navires et la société et les hommes. Les navires sont poussés par les vents, les hommes par les idées. Et comme les vents mauvais anéantissent les navires, les idées perverses anéantissent les hommes crédules ou sans défense. Mer et société peuvent être pareillement funestes à qui ne peut voir le vent se lever et juger de sa force et de sa direction. Apprendre le vent, savoir où il souffle et pouvoir s'en protéger, tout est là. Monsieur, vous n'êtes pas raisonnable. La fraîcheur tombe. Couvrez-vous et rentrez. Allez. À son âge, ça fait attention à rien. Allez, on te suit, Marianne. Prépare-nous donc une petite liqueur. Une liqueur? À votre âge? Monsieur le notaire, il aura une liqueur.
Et pour vous, une bonne tisane. Et pour souper, une compote. Une liqueur à son âge. Vous voyez comment on me traite. Enfin. Seriez-vous sous haute surveillance, amiral? Ma bonne Marianne, elle a raison. Pour la liqueur. Et même pour la compote. Ne sommes-nous pas dans la saison des fruits? Fructidor. Et Vendémiaire pointe déjà le bout du nez? Auriez-vous la nostalgie du calendrier républicain, supprimé il y a 20 ans? Et peut-être. Savez-vous que Fabre est venu le présenter aux jeunes albigeois en 93? J'y étais, c'est moi qui l'ai reçu. Fabre d'Églantine? Comment votre prédécesseur aux Jeux Floraux a-t-il pu être aussi sanguinaire? Je ne comprends pas. Sanguinaire? Le sensible Fabre d'Églantine? Rien n'est plus faux. Je l'ai bien connu. Sa destinée fut trompeuse qui l'entraîna dans l'ombre de Danton, alors qu'il était de la lignée des troubadours occitans. Je le revois le jour de sa visite, enthousiaste, enflammé, lyrique. Je l'avais reçu dans les jardins. La nature est notre guide, elle est notre témoin du temps. Elle nous donne notre pain, notre chaleur. Elle nourrit les hommes et les bêtes. Elle nous enseigne les saisons et nous apprend à vivre chacune d'elles. Chacun des 12 mois des 4 saisons apporte quelque chose de différent qui n'appartient qu'à lui, mais qui est un des 12 maillons de la chaîne qui forme l'année entière. Me comprenez-vous, jeune citoyen albigeois? Oui! Aussi, m'apparaît-il tout à fait logique de désigner chaque mois de l'année par un nom spécifique. Voyons, voyons, comment qualifiez-vous le temps qu'il fait actuellement? Qui veut répondre? Toi? Il pleut souvent, il pleut beaucoup. Oui, il pleut souvent, il pleut beaucoup. Et comment s'appelle ce mois? Février. Février, moi je l'appelle pluviose. Ainsi tout le monde le reconnaîtra. Comme j'appelle Nivose le mois de la neige. De la neige. Et j'appelle Floréal le mois de la floraison. Germinal, le mois sublime qui apporte sa provende. Messidor, le mois doré où se lève le pain des hommes. Thermidor, où se libère le soleil et que Frimaire combattra dans un merveilleux équilibre. Appelez la nature, jeune citoyen, elle vous répondra. Citoyen, nous avons une surprise pour toi. Une surprise? Une surprise?
chère citoyenne. Non, je me sauve. J'ai 40 lieues à faire. Je tenais encore à te remercier pour ce charmant accueil albigeois. J'ai été très touché, très ému par la petite pastorale, les enfants. Merci encore à tous. La montagne s'abaisserait-elle à remercier le marais ? Confable, remercie Rochegude. Il ne s'abaisse pas. Il découvre en Rochegude un personnage bien plus présent qu'à la séance de la Convention. Tu le sembles déserté quelque peu. Il y a tant de magnifiques bibliothèques à Paris. Dis-moi, citoyen, toi si éclairé, si érudit. Oh, mais si. Qu'as-tu à faire avec des Boissy d'Anglas, des Cambacérès, ces crapauds du marais ? Ces crapauds du marais, timorés, incertains dans leurs idées et leurs votes. Même pour sauver leur roi. Mais je suis, moi, un de ces crapauds du marais. Mais je ne suis ni timoré ni incertain. Je suis un des 334 qui refusèrent la mort du roi. En toute sincérité, le bannissement était suffisant. Et moi, je suis l'un des 387 qui votèrent la mort du roi. En toute sincérité. Elle était indispensable. Mort le monarque, morte la monarchie. La regretterais-tu, citoyen, la monarchie ? Pour beaucoup d'entre nous, le roi n'était déjà plus la monarchie, mais il était l'image de la France. Vois-tu, de tels bouleversements sont difficiles. Pour aimer la République, il nous faut l'apprendre. Il nous faut du temps. Ah, le temps, citoyens, l'aurons-nous, le temps ? Salut. Et il ne l'a pas eu, le temps. La tourmente l'a balayé comme les autres, Danton, Hébert, Couthon, Robespierre. Ici, dans notre département, qui pour la première fois s'appelait le Tarn, le Mazamettel, la source, a porté à 12 le nombre de nos concitoyens guillotinés. Mais quelles étaient vos réactions profondes devant ces hommes ? Je les ai parfois admirés, mais je les ai souvent haïs. Et je ne les ai compris que bien plus tard. Voyez-vous, je suis allé vers une liberté toute neuve, guidée par Voltaire, Montesquieu, Rousseau, mais sans imaginer que cette liberté se cachait sous de terribles orages. Les émigrés et les étrangers coalisés à nos frontières. La réaction cléricale en Vendée, comme chez nous. Les déchirements internes de la Convention. Tenez. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La liberté, un enfantement terrible, prodigieux, planétaire. Et ce sont ces hommes qui ont accouché la France. Hier, je ne les aimais pas. Aujourd'hui, je les respecte. Il se fait tard. Si vous voulez pas manger froid. Vox populi, je me sauve. Je vous raccompagne. Le temps seul révèle la vraie vérité, souvent bien surprenante. Tenez, le docteur Guillotin était un savant sensible qui a voulu éviter la barbarie dans la mort, la rendre rapide et égale pour tous. Il était pacifiste et on le croit sanguinaire. Et Rouget de Lisle, qui a composé le chant de la Révolution, vient de composer le chant du Jura à la gloire des Bourbons.
Il encense la monarchie. La voilà la vérité. Mais vous, amiral, où étiez-vous situé dans cette vérité? Je vais vous faire un aveu. Je suis... J'étais un révolutionnaire tranquille. Regarde, Marianne, n'est-il pas beau notre pays? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais tu boudes! Voyons, mais qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi vous lui avez donné votre maison et vos jolis livres à la chanoine, chamois, chameau? Chanoinesse. Ma nièce est chanoinesse de Saint-Juéry. Et je ne lui ai rien donné du tout. Le parc, les livres, la maison, c'est à la ville d'Albi qu'ils iront à ma mort. La chanoinesse n'est que usufruitière. Usufruitière. Vieux Marianne, fatigué. Et bien seul depuis la morne bonne veuve Marie-Gabrielle, il y a 10 ans déjà. Le jeune maire d'Albi, je l'aimais bien. Comme je vous aime bien,
même si vous me criez quelquefois. On a fait tant de routes ensemble depuis que je suis venue toute jeune de Piloran. Vous savez, monsieur, je ne vous l'ai jamais dit, mais avec vous, j'ai été plutôt bien. Plutôt? Enfin, si c'est un compliment. D'abord, à la maison, il n'y a jamais eu de madame. Et c'est ça, plutôt bien. Et puis, pour un ancien militaire, vous n'avez jamais eu de trop mauvaises manières. Comment dois-je le prendre? Est-ce du regret? Il serait bien temps. Et puis, tout le monde vous aime bien, Albi. Vous avez fait tant de choses pour la ville. Alors, je suis un peu fière. Ma bonne Marianne. Dites, c'est vrai que vous avez sauvé la cathédrale Sainte-Cécile il y a longtemps? Non, c'est M. Mariès, l'ingénieur des ponts, qui s'opposa en 1792 à sa destruction envisagée par les travaux publics. Moi, je n'ai fait que l'appuyer, c'est tout. Merci, Rochelule. Je savais compter sur vous. Qu'y a-t-il, mon jeune ami? Car j'ai peine à croire ce que l'on raconte. Démolir Sainte-Cécile? Mais qui pourrait avoir pareille extravagance? Personne! Si, Rochegude! Le citoyen d'Audun, l'ingénieur des travaux publics, vient de le signifier à notre évêque, Monseigneur Gosserand. Mais sous quel prétexte, citoyen Mariès? Mais c'est impensable! Pour trouver 3500 livres. D'Audun a calculé, je ne sais comment, que le rasement du sanctuaire rapporterait 3500 livres qui seraient affectés à l'effort de guerre et à l'entretien du contingent que doit fournir la ville d'Albi. Mais le contingent, c'est moi qui le commande. On a déjà enlevé les statues de bronze pour la fonderie des canons. Soit. Mais cela suffit. Il faut sauver l'édifice. Je vous approuve. Bon. Qu'attendez-vous de moi? Citoyen, vous êtes notre représentant à la Convention. J'ai rédigé une lettre à l'intention du citoyen Roland, notre ministre de l'Intérieur. Voulez-vous appuyer ma démarche? Je l'appuierai, ami Mariès. Merci de tout cœur. Il faut sauver cette maison de Dieu. Ce serait un crime de l'abattre. Le crime serait de détruire un édifice unique. Un temple bâti par des hommes pendant plus de 2 siècles. Et qui ont mêlé leur sueur et leur sang à l'argile dont ces briques sont pétries. Cette beauté majestueuse, cette splendeur équilibrée, c'est le génie
fatigue des hommes d'hier qui l'ont patiemment élaboré. Et les hommes d'aujourd'hui ne doivent pas la détruire. Merci. Ma lettre part demain. Appuyez-la. Je vous avoue que, connaissant votre position sur la restitution des biens du clergé, j'ai un moment hésité à vous demander votre aide. Les biens du clergé, mais qui les lui avait donnés ? Et le ministre Roland donna raison à Mariès. Et la cathédrale fut sauvée. Et maintenant, je vous rentre. Évidemment, c'est pour vous remettre au travail. Mais oui, Marianne, c'est pour me remettre au travail. Le temps me presse. Je sens que le temps me presse. Monsieur de Rochegude s'est éteint le 16 mars 1834 dans sa maison d'Albi, au milieu de ses livres, plus fidèle que les hommes. Il ne voulut pas de confesseur et demanda à être inhumé auprès des pauvres et des souffrants. N'ayant pas recherché la gloire de son vivant, il ne la désira pas dans la mort. Il repose, anonyme, dans ce cimetière oublié, dans le carré des dalles sans nom, sous laquelle on ne sait plus.